Le président de la République a décidé, le 14 juillet 2015, de faire de Philippe Sella un chevalier de la Légion d'honneur. Et Philippe a choisi de nous réunir aujourd'hui pour organiser, en présence de sa famille, que je salue une première fois, affectueusement, et de ses amis, que nous sommes un peu tous, la cérémonie de remise de cette décoration. La Légion d'honneur, ça ne se demande pas. La Légion d'honneur, ça ne se refuse pas. La Légion d'honneur, ça ne se commande pas, a dit avec profondeur Jean d'Ormesson, le célèbre académicien. Le président de la République, qui en est le grand chancelier, a décidé, après une instruction, dont il faut que tu saches qu'elle est sérieuse, longue, minutieuse, d'honorer l'homme Philippe Sella, de t'honorer sur l'ensemble du parcours de ta vie. Alors il plonge des racines fortes dans ta famille, dans ton village de Bourran. Je salue les parents et je salue la forte délégation de Bourran, d'ailleurs, qui est juste là, sur la main gauche. Philippe Sella ne se divise pas. Aujourd'hui, c'est tout ton chemin, toute ta carrière, toute ton œuvre qui reçoit la Légion d'honneur. Merci Philippe de m'avoir choisi comme parrain. Nos routes personnelles, nos tempéraments, nos histoires familiales sont différentes. Mais en même temps, nous avons de vraies proximités, de vraies complicités. Nous sommes tous les deux d'abord enfants de Solot-et-Garonne. Et à quelques petites années près, nous appartenons à la même génération. Ce qui me permet d'avoir, comme beaucoup dans la salle, un regard de longue durée sur ton parcours personnel. Et puis, nous avons en commun Agen. Agen, son histoire, son art de vivre. Et quand, en 1979, le jeune surdoué de Bourran décide de rejoindre le SUA, alors ton histoire devient une histoire agenaise. Et nos chemins étaient appelés à se croiser. Ta modestie devrait-elle en souffrir ? Tu es bien, aujourd'hui, un des illustres de cette ville qui te reçoit, justement, naturellement, dans sa salle des illustres. Au moment de conclure ce discours, je te recommande de réfléchir sur le mythe grec d'Orphée, comblé des dieux, mais aussi condamné à ne pas regarder en arrière au risque de tout perdre. Moi aussi, je te conseille de ne pas te retourner trop souvent sur ta carrière d'exception pour en regarder l'éclat. Ne t'inquiète pas, ta carrière maintenant te survivra. Elle appartient à l'histoire du rugby mondial. Mais à toi, mon ami Philippe, mon frère d'Agen, je te souhaite de regarder devant toi, loin devant toi, de continuer d'avoir des projets, encore des projets. Bref, comme le recommande Shimon Peres, je te souhaite d'avoir des rêves plein les yeux et plein le cœur. Philippe Sella, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. En ce moment particulier qu'est cette remise de Légion d'honneur. Merci Monsieur le maire, président de l'agglomération agenaise, Jean Dionis, mon parrain du jour, de nous recevoir chez lui, à la mairie, avec certains de ses élus. Pour cette cérémonie qui me touche profondément, pour ne pas dire juste « ça me fait tout drôle » ou « c'est trop bien ». Parce que là, de l'autre côté, cher Jean, je pense que j'ai toujours gardé un petit côté ado, un peu de folie, qui fait toujours du bien aussi et à partager. Chevalier, je l'ai surtout été sur tous les terrains de rugby. Aujourd'hui, on se retrouve tous ici pour l'insigne rouge, une jolie couleur aussi, qui est le blason de la ville d'Agen. Chevalier, donc, pour l'honneur, que dis-je ? Chevalier pour la Légion d'honneur. C'est quelque chose. Je ressens un sentiment de fierté mélangé à une certaine pudeur. Si, comme pour un gâteau, je pouvais la partager avec tous ceux qui m'ont aidé, accompagné, soutenu
et qui le font encore aujourd'hui, je prendrais bien un morceau de cet insigne gratifiant pour que cet honneur soit aussi vôtre et celui d'une volonté commune, bien vivre, bien être, savoir être ensemble. Ne pouvant pas résoudre cette performance car la médaille est bien trop petite, c'est avec mon cœur que je vous remercie ce soir. En ce jour si particulier d'une vie où je reçois cet honneur, cette marque de reconnaissance de la France, que la France me décerne, je nous souhaite beaucoup de soleil dans notre environnement et de la chaleur dans nos cœurs. Merci à toi, Jean, d'avoir accepté de me remettre cette médaille. Nous nous connaissons depuis fort longtemps, nous sommes des amis communs. Tu es un personnage très engagé pour la ville, pour l'agglomération. Nous aimons le Lot-et-Garonne et nous aimons exporter l'image de notre département dans l'Hexagone et au-delà. Je suis venu à pied depuis mon domicile, comme tu as su le dire. J'habite à Gien même. Nous sommes aussi voisins donc. Pour tout cela, je tenais à ce que tu me remettes cet insigne. Merci à toi, Philippe. À Gien même. Et pour finir, je voudrais citer Nelson Mandela. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever de chaque chute. Je vous remercie. Bravo.